Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, Sofiane le Geek, on se retrouve pour une vidéo sur chaîne Dragon Ball Legends. Nous allons pouvoir aller tester la fameuse triplette de Gohan-san, les trois Gohan, Legendary Finish que vous voyez là à l'écran. Ça y est, j'ai enfin eu le Gohan LF Revive en duel invocation avec plus divine. Si tu n'as pas vu la vidéo, eh bien, je t'invite à aller la voir, c'était épique. Clairement, c'est épique, c'est vraiment un duel invocation incroyable. Merci à tous ceux qui ont soutenu, ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, j'en ai profité parce que là, comme vous pouvez le constater, eh bien, il est 3 étoiles. Merci à toi, Vincent, pour le follow. Bienvenue à toi. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Avec les petits pouces bleus en mode Genkidama. Comme je le disais, il est 3 étoiles parce que bah, voilà, j'avais 600 PZ LF que je gardais de côté au cas où si j'allais choper ce beau gosse pour augmenter la cape Z. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai pu faire. Donc, on va aller voir ce que ça va donner. J'ai pas encore testé. On va voir, on n'oublie pas que la saison a recommencé, voilà, mercredi. C'est une saison récente, etc. Malgré qu'on a quand même joué en live ensemble dans PvP, bah ça joue, hein, ça joue, la vérité. Voilà, tout le monde est là, tout le monde a envie d'aller chercher des points en PvP. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, la fameuse team que tout le monde joue, hein, voilà, clairement. Alors, à 3 étoiles, la cap Z, elle a changé du coup, parce que ça booste de 24% la défense et les strikes, saga des films. Mais également, Saiyan Métis. Et moi, c'est pour cela que je le voulais 3 étoiles, pour le mettre dans une team Saiyan Métis. Au niveau des passifs, franchement, c'est très très bon, les gars. Lorsque la force descend à 0, on le sait, il est revive. Donc, il revient en soupa, c'est la Jin 2, avec 70% de force. Au début du combat, les effets suivants s'activent. Donc, si tu commences avec Gohan dès le début du combat, ça augmente de 50% la vitesse de récupération du ki avec annulation impossible. Et ça réduit de 25% les dégâts subis annulation impossible. Également, passif numéro 2 augmente de 20% les dégâts infligés contre les classes ennemis puissants du début du combat jusqu'à votre transformation. Augmente de 45% les dégâts infligés, pareil, annulation impossible. Chaque fois que vous utilisez une carte d'art, augmente de 15% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Donc à chaque fois que tu utilises une carte, boum, 15% supplémentaire pendant 15 secondes. C'est très intéressant. Et ça, c'est pour le fameux Nappa. Au niveau des stats, après transformation, 236 000 en strike, 211 000 en blast. Et au niveau de la défense, c'est pas ridicule, hein. 146 000 et 147 000. C'est vraiment très intéressant. Et puis, bah, 2 134 000 de points de vie. Donc voilà, ça reste un perso vraiment très, très intéressant. Probablement, peut-être même l'un des meilleurs LF hormis les Zenkai présents sur le jeu. On va aller voir ça, on va aller le tester dans la fameuse team de la fameuse triplette de Gohan-san. En fait, on va partir directement avec ces trois-là, les autres sont là également pour booster. Même si le Trunks, voilà, on sait très bien ce que ça donne, ça fait vraiment très 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 mal. Bah en gros, je viens maintenant de m'en apercevoir, en fait j'ai une triplette de Trunks et une triplette de Gohan. Dans cette vidéo, je pense qu'on va faire la triplette de Gohan, et dans une prochaine vidéo, pourquoi pas aller faire la triplette des Trunks, histoire de comparer, même si je pense que les Gohan seront bien meilleurs. Eh bien, écoutez les amis, let's go! Yeah! Une très belle team fusion en face de nous pour cette première game. Eh bien, on va prendre la fameuse triplette des Gohan Legendary Finish. Let's go! Allez, on va se concentrer. Ok. Boum, ça passe. Allez, hop. Voilà. Parfait. Ah, ça lag un peu, mais ça va. Ça lag un petit peu, mais ça va. Parfait, le pas sur le côté bien anticipé. Parfait tout ça. Ok, pour l'instant, ça se passe bien. Parfait ça. Et là, boum. Oh, oh les dégâts du Gohan LF Zenkai. Oh là 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 là. Ah il fait mal hein. Il fait très très mal hein. Ok, il a disparu. Ok. Ok, bon pour l'instant ça va, ça se passe pas trop trop mal. Là. Ouf. Ok, t'en veux. D'accord, let's go. Bon bah là, je me pose pas de questions. Franchement, la game, pour l'instant, ça se passe bien. Je sais pas si vous remarquez, ça casse de la bouche. Vraiment. Ça casse de la bouche, quoi.
Allez, c'est bon, ça passe. Et pourtant, bon voilà, on a le Gohan LF, mais le Mirai Gohan et le Gohan LF Revive, 3 étoiles. Il n'y a que le Gohan LF Kaizenkai de type rouge. Mais c'est... Voilà, c'est incroyable. Ok. Ok, si tu veux. Et il peut pas lancer son Rising Rush à n'importe quel moment, parce qu'en fait, j'ai la survie au chaos. C'est ça, le truc. C'est que j'ai la survie au chaos. Donc là, il est embêté. Clairement, regarde, oh là là, les dégâts du Mirai Gohan également. C'est honteux. Donc là, on prend un kill. Voilà, bon, que ce soit lui ou l'autre. Donc là, en fait, le joueur est frustré en face. Je la connais, cette frustration. Il ne peut pas Rising Rush. Il peut pas Rising Rush, parce que là, sinon, ça servira à rien. Allez. Voilà, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un truc de fou, cette team. C'est vraiment un truc de fou, cette triplette de Gohan. Je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est fort. Mais c'est extrêmement fort. Bon, bah, première game, plutôt pas mal. Let's go pour la prochaine game. Ok, Bros Team Divin en face de nous, là. Bon, là, par contre, là, va vraiment falloir se concentrer. Je vais repartir encore avec la triplette des Gohan, mais il y a quand même du lourd en face. Allez, on est parti. Parfait. Ok, très bien. Ah ouais, d'accord, si tu veux. Il pensait peut-être que j'allais switch de perso, mais non, non. Ok. Ok. Très très bien. Bim. Très très bien les dégâts. C'est vraiment... Ah, pas mal, pas mal. Il a bien tempo. C'est vraiment insane les dégâts. C'est... Oh. Non, c'est insane. Non, c'est trop. Oh là 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 là. Non, c'est trop. La vérité, les gars, c'est... C'est trop, c'est trop. Ok. Bon bah... C'est... En plus, il met le VB, il me le sert sur un plateau. C'est vraiment un truc de ouf. Bon, il me le contre ou pas? Bon, après, même s'il me le contre, en vrai... Pff, ouais, il contre pas. Même la vérité, franchement, s'il me le contre... La team, elle est incroyable. La team, elle est incroyable, les frères. C'est ouf. C'est ouf. Ok, allez. Parfait. Hop là. Voilà. Allez, bim. Et ça va casser de la bouche. Et merci pour le follow. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, bim. KO. Suivant. On est sur un perfect là. On est sur un perfect. Hop, on va mettre quand même un petit peu le Gohan parce que j'ai l'impression de jouer qu'avec deux persos là. Oh. Bon bah, perfect. Perfect. Perfect, les frères. Bon bah voilà. La triplette des Gohan. Hein. J'ai l'impression de jouer avec un ou deux persos. Tu vois, limite, t'as pas forcément besoin de mettre le Gohan LF Revive. Tu vois, je l'ai surtout en route secours au cas où s'il y a un Rising Rush qui se déclenche et tout. Et puis, une fois que voilà, il perdrait sa première barre de vie, là, bam, tu viens, tu cognes. C'est incroyable, les frères. C'est très, très fort. Allez, on est parti pour cette troisième game. Elle est chelou, sa team. Elle est très chelou. Bon, moi, je cherche pas à comprendre. Je prends la triplette des Gohan. Mais là, sa team, elle n'a pas vraiment de synergie, pas vraiment de cohérence. Bref, allez, on va voir. Bon, ça devrait le faire. Je pense que ça va être rapide. Parce que là... Ah bah oui, ça a été très, très rapide. Hein, je confirme. Il a dû voir les trois Gohan. C'est bon, il a dû dire, allez, c'est bon, je fous le camp d'ici. Et d'ailleurs, on passe le rang 50. On est classé combien, là, du coup? On va aller voir, on va aller voir. Oh, on est 8863, les amis, là, voilà. On est 8863, bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Bah, allez, let's go, on refait quand même encore une game. On peut pas se quitter là-dessus. Allez, ça sera la quatrième game, en espérant que cette fois-ci, elle soit moins rapide, tu vois, quand même, avec un minimum de combat. Ok, grosse team divin en face. D'accord, donc là, pareil, va falloir faire attention. Elle est bien étoilée. Bon, on repart encore avec la triplette. Et c'est là où ça va être intéressant, parce qu'en face, c'est super bien étoilé. Et moi, c'est là où ça fait peur, parce que, hormis le Gohan LF Zenkai,
Ah, mes deux autres Gohan, comme vous pouvez le voir, hein, franchement, ils sont que 3 étoiles. Et ça cogne très très fort. Allez. Ok. Ok, la tape attaque, très bien. Ok, let's go. Ok. Le Gohan élève. Revive. Ish. Ish. Petite carte verte, histoire de... Petite tape attaque, voilà. Allez. Tape attaque, voilà, parfait. Ah, la tempo était pas bonne. J'ai attendu pourtant le pas sur le côté. Mais la tempo était pas bonne. Et par contre, là, ça va dos, ça fait mal. Hein. Ouh, doucement quand même, Vados, là. Doucement, doucement, voilà. Voilà, là, ça tank maintenant, hein, contre-type. Oh là là, mais je suis pas bon. Deux fois, je me foire dans la tempo. La latence, c'est... Ouf. Oh, par contre, là, j'ai mangé, là. Attends, attends. Voilà, voilà, voilà. On va se calmer. Ça va le faire, ça va le faire. On peut pas perdre avec la team Gohan. On peut pas perdre avec la team Gohan, je te dis. Voilà. 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 Ish. Voilà. Et let's go. Franchement, c'est quand même un kiff quand même de jouer cette team triple Gohan. C'est un truc de ouf. Ouf. Là t'as mangé. Hein. Ah là t'as mangé mon cochon. Là t'as mangé. Ok. Le revive. Enfin on va le voir, tu vois. Allez, let's go. Allez. Mais c'était Milo. Ah, incroyable. Ok, bagarre. Ish. Parfait ça. Parfait ça, monsieur. Hop, une petite pichenette. Bim, hop. Coucher, panier, dodo. Hop là. Voilà. Ça aussi, ça se passe bien. Voilà. C'est, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est que là, on vient du coup de retourner la game. Au début, il était pas trop mal l'adversaire. Est-ce que vous vous rendez compte là comment on retourne la game? En plus, il contre pas. Bon, bah voilà, j'ai envie de vous dire. J'ai encore mes 3 persos. J'ai encore Mirai Gohan qui a encore une survie au chaos. Je crois hein, qu'il a encore la survie au chaos. Je m'en souviens plus trop parce qu'à un moment donné, je me suis fait amocher. Mais normalement, oui. Ouais, ouais, il a encore la survie au chaos. Donc, voilà. Voilà. Ça se passe bien. Voilà. Ça va pas tuer, je pense pas. Parce que du coup, j'ai pas perdu d'allié. Donc ça va pas tuer, je pense pas. Mais bon, on va l'amocher. Voilà. Voilà, juste histoire de bluff. Tu peux le faire? J'ai envie de te dire, frérot. Tu peux le faire? Mais il a une survie au chaos. Donc là, c'est comme si qu'en gros, là, j'allais contrer le Rising Rush. Voilà, hop. Et je suis là de nouveau. Et là, voilà. C'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup, beaucoup trop fort. Voilà, voilà. Ça fait pas un pli. C'est net, sans bavure. Cette team est trop forte. Il y a 2 survies au chaos. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a 2 survies au chaos. Plus un Gohan LF Zenkai qui fait vraiment très mal. Si on perd, je dis bien, si jamais on perdrait des alliés, il serait surcheaté le bordel, tu vois, c'est incroyable. Et du coup, on est quasiment dans le top 7K. Bon, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de te dire, hein, voilà. Franchement, dites-le moi dans les commentaires si vous aussi, vous jouez cette team, c'est vraiment très fort. Alors, après, voilà, je pense pas non plus la jouer à chaque fois que je vais faire du PVP ou quoi, c'est pas le but. C'est plaisant, voilà, de jouer... la triplette de Gohan, voilà, les 3 Gohan LF sont vraiment très très forts, ils sont violents, d'une violence incroyable. Après voilà, je pense qu'il faut quand même alterner, puis bon, vous savez très bien que j'aime bien ma team GT également, mais là pour le coup, je suis super satisfait d'avoir mon Gohan LF Revive à 3 étoiles, parce que bah, vous avez pu le constater, hein, les 3 ensemble, ça casse de la bouche, voilà, c'est incroyable. Faudra aller tester quand même les 3 Trunks également, faut voir un petit peu ce que ça peut donner, je pense que ça peut également... casser de la bouche. Voilà les amis, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous le rappelle que mercredi, il y a Pokémon Unite qui va sortir. Du coup, on ira le tester en live. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao !
Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Non, 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 non. Yeah.